Voilà. On va voir, on va faire mettre Goliath là. Là, le riz est en place. Le riz. Au bout d'aller. Ok. Il faut qu'il y ait un minimum de fertilisant au niveau du sol. Moi, je dis ça, c'est comme pesticide. Moi, je vais t'apporter une petite. Et puis, dans vous, c'est en fermentation. Quelqu'un peut plus en faire. C'est le temps de manger ça. Comment dire, tu fais également la fermentation? Oui, on fermente ça. Pour utiliser comme pesticide. Ah, ok, Regarde d'accord. l'amidon de maïs. Tu le sens? Je donne la Faut petite pas que... couleur. Non, attends. Tiens, il y a trop de problèmes aujourd'hui. N'en rajoute pas. Je sais pas s'il n'y a pas deux blouses. Deux blouses là, c'est un lavage là-bas. Il n'y a pas encore fini. Non, j'allais te... Tu n'en as pas. Ah, ok. Là, je te présente mon élevage. Là, nous avons les reproductrices, les femelles. On a environ une quarantaine. Et seulement, 40 seulement. Et quelques mâles. On a 7, 8 mâles, 8 mâles. Dont 6 qui sont actifs à la reproduction. Le voici. Là, c'est Lionel Messi. Ah oui. Là-bas, c'est une fourrière. C'est un peu ça. Là, c'est le labour en engraissement. Il y a environ une soixantaine. Actuellement en engraissement. Ils seront prêts même avant décembre. Ceux qui seront prêts pour décembre sont encore sous mon main. Ici, j'utilise la tétine pour l'eau. Pour l'eau. Là. C'est ça. C'est ça qui gère tout le côté là. Même ceux qui sont ici. Il suffit seulement que tu dévises la tige, c'est fini. Ça passe. Là, ici, je refais mon usine. L'usine d'urine. C'est toi qui vends c'est moi. Les urines en anglais là. C'est moi. Ok, c'est une poche sur la tube. Ah, bien, bon. Là, 233. 233. Tu penses que l'espace là sera suffisant pour continuer? Non, normalement c'est 90 mètres carrés. 9 mètres carrés pour tout le monde, c'est pour 90 sujets là-bas. Quand tu veux respecter les normes. Mais en fait, quand tu vas en fait au niveau de vos pays là, oui. Ils ont souvent entassé. Tu as déjà remarqué ça? Chez les deux. Oui. Dans les trucs d'intéressement chez les blancs. Ça là maintenant, est-ce que c'est pas un risque? Parce que ici, là, moi, j'ai déjà suivi ce genre d'élevage-là. Ils s'entretuent. Ils se piquent si entre eux. Les lunettes, c'est fini. Moi, j'ai fait mon lunettes. Ah, ok. Les lunettes, là. À partir de 3 mois. À partir de 3 mois. Tu les places, ça. Soit je diminue le nombre, soit je augmente les mangeoires. Donc, augmenter les mangeoires peut réduire, c'est ça? Oh, oui. Il y a aussi un truc, là, les petites insectes qui se promènent. Et ça se développe rapidement, hein, alors. C'est parce qu'ils n'enlèvent pas le coco régulièrement. Une fois par semaine. Ok. Il y a des petits acquis sur des formations. Une formation sur ça. Ok, sur ça. Donc je profite de la présence du vite. Je vais donner mon bébé. La gueule va faire le vaccin de la gueule de la peste si possible. Bon, on va voir si je récupère mon diplôme.